Thank you so much. Thank you so much, Denis. Thank you so much, Eve. I will ask you please to stay with us on stage as we have a very, very special announcement to make. But for that, I will ask another friend to join us. He is Jean-Marc Payol. He is the Group Alliance Management Market and Innovation. He's here. And he's a friend of Day One. He's a great partner. And we have an announcement to make. I will give you the floor, since you are the initiator of this movement. Denis, thank you, the floor is yours. So, because my English could be reasonable, but I think I will turn to French for a minute because I want to be very precise on what I'll say. This is all about the digital, so, right? We talk about exactly. Mobility, there is no boundary. But you speak every language. Ce que nous voulions vous annoncer ce soir, effectivement, c'est une initiative relativement majeure. Mais c'est vrai, laissez-moi dire un tout petit mot. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'amour, vous le savez, il n'y a que des preuves d'amour. Et quand le souverain nous rejoint pour une première édition, pour un premier Day One, pour un temps relativement important quand on connaît votre emploi du temps, je trouve que vous venez de nous donner une belle preuve d'amour, donc je voudrais vous remercier, parce que je pense vraiment du fond du cœur, donc merci beaucoup pour votre présence. Donc, we are in love with Monaco. With Monaco. Vous le savez, on n'a pas fait Day One pour faire une conférence. Des conférences, il y en a partout, avec des speakers qui sont moins bons que les nôtres, avec des thématiques qui sont moins brillantes, avec un public beaucoup moins qualitatif. Mais il y en a partout. Bon. En revanche, des conférences qui décident, qui rentrent en action, cherchez-les. Et donc, nous avons souhaité effectivement que Day One commence quand ça finit. It starts when it stops. C'est-à-dire que pour nous, ça commence demain, et demain, c'est maintenant. Et que si finalement, on fait une très belle conférence de plus, mais sans rien décider, on aura eu un acte manqué. Et cet acte manqué, il est hors de question que ça soit dans notre ADN. Donc l'ADN, c'est qu'est-ce qu'on décide ensemble. C'est la raison pour laquelle il y aura deux décisions cette année, deux ambitions, et que vous pourrez juger l'année prochaine. Donc c'est le début de la transparence, donc vous pouvez commencer à compter les points. La première va être annoncée maintenant, et la deuxième demain. Il y a deux jours de décision. Donc pour l'instant, la mathématique est assez facile à faire. La première, elle est importante. Comme on ne sait pas à quelle vitesse les jobs vont se transformer, la meilleure façon d'anticiper le futur, c'est de le préparer. Quand on ne connaît pas la réponse, mais il suffit de s'y préparer. Donc on va monter ce qu'on appelle la Reskilling the World Initiative. Ce nom barbare, ça signifie quoi? Ça signifie que tous les jobs ou vont disparaître ou vont muter, et en tout cas vont connaître une grande transformation, et qu'il faut s'y préparer dès maintenant. La deuxième chose, c'est que vraisemblablement, les systèmes éducatifs, de formation, etc. seront trop lents à se transformer, donc c'est à nous, entreprises, de le faire. Petit entrepreneur, le plus grand dirigeant d'entreprise, c'est à nous de le faire. Les entreprises iront toujours beaucoup plus vite que le reste. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant, et donc l'idée, c'est de dire, essayons de lever sur 4 ans, $1 milliard. On a pris une ambition moins forte qu'un milliard d'euros pour l'instant. On prend $1 milliard, et cet argent va servir à quoi? Deux parties. Première partie, nous allons tester partout, dans tous les pays du monde, différentes professions, différents métiers, pour voir si nous sommes capables de reconvertir les gens. Sommes-nous capables de reconvertir un chauffeur routier américain? 500 000 jobs à la clé dans 2022 qui vont disparaître. Un radiologue français qui commence déjà à être mis en compétition par l'algorithme. Un ouvrier chinois, un gestionnaire de fortune new-yorkais. Tous, aujourd'hui, sont touchés par ça. Sommes-nous capables de les reconvertir? Et la deuxième question, c'est où, sur quel territoire? S'ils sont tous concentrés au même endroit, on a un problème avec le reste des territoires. Et la deuxième chose, c'est dans quelles conditions? Un mineur qui extrait du charbon aujourd'hui aux États-Unis et qui perd son job à $100 000 avec les primes de risque, on peut lui retrouver un job à $25 000. Ce qui signifie que pour lui, le futur n'existe plus, puisqu'il ne pourra même pas financer l'éducation de ses enfants. Donc ça, c'est la première partie de cette mesure. La deuxième, c'est d'aller, puisqu'on a un focus sur l'Afrique cette année et l'année prochaine, comme vous le savez, c'est de dire, utilisons cet argent pour former des gens qui, en Afrique, ne pourront pas autrement s'emparer du digital, puisqu'on va y créer des jobs, et que s'ils ne sont pas formés, ils ne pourront pas les prendre. Donc on est en train de préparer avec une trentaine d'entreprises internationales, dont celles que vous avez aujourd'hui,
Uber que vous avez aujourd'hui, demain vous verrez Airbnb, vous verrez nos partenaires qu'on va vraiment embarquer, j'espère, dans cette grande initiative. Vous verrez Michelin demain, mais bien évidemment Jean-Marc sur Allianz, Accenture qui y réfléchit déjà, et on va se mettre au boulot pendant 4 ans. Donc la Reskilling Initiative, ça sera une fondation, donc c'est totalement non-profit, hein, j'aime bien cette combinaison français-anglaise. Donc on est complètement caritatif, mais on va le faire de façon efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a réunis ce soir, c'est pour que vous soyez là, mais que demain, dans vos entreprises, toutes celles que vous représentez, on se mette en route et qu'on commence à y travailler. Donc chaque entreprise va fournir des ressources, va fournir de l'argent, les fondations, toutes celles qu'on va aller voir demain pour le lever. On démarre un grand roadshow aux États-Unis dans quelques mois grâce à quelques fonds comme BlackRock, etc., qui nous ont organisé un roadshow aux États-Unis. Et on va y arriver. Et on va y arriver ensemble. Donc, Reskilling Initiative, c'est donc la première initiative Day One. Elle démarre ce soir. Allez, on va dire demain matin, hein, parce qu'il faut un petit peu de sommeil entre les deux. Pour refaire le monde, on va se laisser 2 ou 3 heures. Et on démarre demain, tous ensemble. Donc voilà ce que c'est. Donc je réserverai toutes les réponses à vos questions pour le cocktail ce soir. Et voilà ce que c'est que la Reskilling Initiative. Si je peux me permettre, ça a déjà commencé, puisque vous avez déjà des personnes qui vous suivent dans cette initiative. Oui, on a déjà commencé. Voilà, des partenaires qui nous disent on va mettre des ressources, on va mettre des hommes, on va mettre des femmes, on va mettre de l'argent. Et effectivement, que vous avez BlackRock, qui est le plus grand fonds du monde, qui dit on va vous organiser 30 rendez-vous sur tous les États-Unis avec nos principales participations pour qu'ils y abondent. Parce que ce qu'on va apprendre en reconversion, on va pouvoir le retransférer aux entreprises pour qu'elles s'en resservent le lendemain. Donc ça, c'est déjà une réalité. L'initiative a commencé. C'est une des bonnes nouvelles et des bonnes résolutions de Day One qu'on est heureux de vous annoncer. Mais comme le programme des réjouissances n'est pas fini, oui, il y a encore de bonnes surprises que M. Jacquet veut vous annoncer. C'est Yves et Jean-Marc, vous êtes chez vous. Hein. Si vous voulez réagir un petit peu à cette idée des transformations, n'hésitez pas. Ouais. Bah, j'en ai parlé juste avant et nous, on l'a vécu. On est ravis de travailler avec toi, Denis. Il y a quelques années, un peu plus de 7 ans, on avait pris l'engagement à notre taille, d'ici 2020, de former 3 millions de personnes et de les aider à trouver un emploi correspondant aux nouvelles skills dont ils ont besoin. Et on va y arriver. Juste en France, c'est d'ici 2020, là, c'est 150 000 personnes qui ont aujourd'hui des compétences qui ne seront malheureusement pas utiles demain, qu'on aura formées d'ici 2020 et qui auront un nouveau job correspondant à des skills qu'ils pourront utiliser au moins sur les 10 prochaines années. Et après, on continuera. Mmh. Donc, notre expérience, c'est juste faisable. Mmh. Et ce que tu proposes, Denis, c'est de le faire big time. Ouais. Donc, on est ravis de cette initiative. C'est faisable. Mais c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que souvent, on est résistant au changement. On s'imagine que parce qu'on va perdre des emplois, il ne faut pas aller vers ça. Alors qu'en réalité, c'est ce que vous dites. Ce sont juste des nouveaux emplois. Et donc, il faut embrasser cette transition numérique comme une opportunité. Et vous en savez quelque chose. Et Jean-Marc, en plus, s'occupe beaucoup de la jeune génération. J'adore le lien avec ce que je voulais dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est de préparer les changements. Dans la préparation du changement, il y a la formation, c'est une chose qui est importante, mais il y a aussi la psychologie. Et tu le sais très bien, on a commencé à travailler avec l'Institut Freud à Vienne sur ce qu'ils appellent, qui est évidemment le centre névralgique de la psychologie dans le monde. Et les Américains n'aimeraient pas que je dise ça, mais bon, c'est un peu l'origine du sujet. Et donc l'Institut Freud a commencé à travailler sur ce qu'ils appellent la psychologie du futur, the future psychology, pour accompagner l'ensemble de ces personnes au changement. Parce qu'il ne suffit pas d'être formé, il faut aussi l'accepter pour ne pas résister. Le principe du changement, c'est le principe du swing. Au début, on est déprimé. Au début, on refuse. On est en opposition, puis on est déprimé. Quand on est déprimé, c'est pas très bon, parce que ça veut dire des mouvements sociaux, ça veut dire des tensions sociales. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Et ensuite, on rebondit, on accepte, et puis on rebondit. Puis après, on dit, c'était super, finalement, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et donc, on en a parlé plusieurs fois dans le cadre de cette fondation. Il y a tout ce travail, à la fois de compréhension. Je crois que ce que vous avez fait est vraiment très important. Comprendre et être positif. Dire on n'est pas seulement, c'est pas seulement des jobs qui vont disparaître, c'est aussi des jobs nouveaux qui vont apparaître, c'est des jobs qui vont se transformer, c'est plus intéressant souvent, mais il faut également accompagner toutes ces personnes, les entraîner, les former et en même temps les accompagner psychologiquement pour les aider à faire cette bascule. Et c'était très intéressant de voir que la nouvelle psychologie ne s'intéresse plus au passé,
mais s'intéresse au futur. Ce qui est quand même un signe assez, assez remarquable de la responsabilité que nous avons sur les épaules. Et c'est aussi ça, Day One. C'est ce qu'on disait ce matin. Ce n'est pas un événement, c'est un mouvement, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une vision pour l'avenir et cette envie de fédérer les changemakers, de fédérer ceux qui voient en cette transition numérique plus d'opportunités que d'obstacles et de dangers. Les braves. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et en parlant de bonnes nouvelles, je sais que vous en avez une autre à nous annoncer, Denis. Et on va les faire venir, mais progressivement. Donc, on va, d'abord, on va faire venir effectivement ceux qui ont fait ce trophée. Mais si vous pouvez annoncer, nous expliquer ce que c'était. Alors, Monseigneur, on a voulu faire aussi à Monaco, avec les gens de Monaco. Donc on a demandé, un ami qui va rentrer sur scène, a demandé à un artiste que vous connaissez bien de nous bâtir une œuvre qui va voyager à travers le monde. L'idée, c'est qu'à travers cette œuvre, chacun va se la passer d'année en année, et au bout d'un moment, cette œuvre faite à Monaco va faire le tour du monde. Voilà. Et donc, parce qu'elle sera remise par quelqu'un qui l'aura eu l'année d'avant et qui va la passer à quelqu'un qui l'aura eu l'année d'après, etc. Donc, on peut appeler sur scène maintenant. Léla, c'est toi ou c'est moi qui les appelle? Allez, j'appelle. Donc, Marcos Marin et Malek Sénard. Sous vos applaudissements, bien sûr. Alors en fait, Monaco est un grand territoire, donc il fait un petit temps pour venir. Donc on les a perdus. Mais c'est marrant ce que vous disiez, le fait de se donner le trophée, c'est une sorte d'économie circulaire. Exactement. Donc vous pouvez les réapplaudir à nouveau, ça leur fera plaisir. Bon, Marcos, est-ce qu'on peut dire artiste local, bien que tu sois complètement international? Oui, on peut dire artiste local, oui. Voilà, ouais. Donc, beaucoup de compositions. Tu peux rappeler au souverain ce que tu nous as remis hier comme petit cadeau pour nos partenaires? Oui, c'est une pièce qu'on a présentée à l'île d'Elbe, ça fait quelques années, pendant une soirée de la Fondation de Prince Albert, qui est le portrait de Prince Albert Ier, qui, on a l'honneur de présenter la toile grande qui fait 1,60 m de diamètre à l'entrée pour la découverte de tout le public de Day One. Super. Bah, merci encore, et vous la verrez. Et on a vu ton œuvre aussi exposée dans le foyer là-bas. Et Malek, qui est un start-upper jeune, c'est-à-dire les start-upers jeunes, pour moi, ont au-dessus de 40 ans. C'est-à-dire, ça me rassure. Si vous voulez. Et donc, vous savez quand même qu'aux États-Unis, 38% des start-upers ont plus de 52 ans. Donc, j'aimerais quand même qu'on rassure tous ceux qu'on appelle les seniors en France. Vous avez encore un tout petit peu de longévité devant vous. Malek, qui a démarré une magnifique appli qui s'appelle Globe, et du coup, on s'est trouvé en adéquation avec l'œuvre que tu voulais faire, et explique-la nous en une petite minute rapidement. 43, tu m'as dit. Une minute 43. Une minute 43. Bonsoir à tous, monseigneur. Alors, je suis extrêmement ravi d'être là. Il y a une petite année, Denis m'a dit la notion de monde meilleur n'existe pas. Alors, de mon point de vue, cette notion, c'est un travail quotidien, alors certes difficile, mais visant peut-être à juste améliorer le monde existant. Et le monde existant, il est maintenant. Le voyage, à mon sens, est beaucoup plus intéressant et plus important que la destination. En tout cas, c'est notre philosophie chez Globe en tant que système de navigation. Il ne s'agit pas de savoir comment on va y arriver, mais plutôt comment on aimerait y aller. Le plaisir ne doit jamais être une option, même en mobilité. Et je pense que ça sera d'autant plus vrai demain, et que la technologie doit juste transformer notre temps en un temps de qualité. Alors, je rejoins Day One, alors tout d'abord pour Denis, parce que Denis améliore, à mon sens, le monde existant avec des actions concrètes. Et sans doute que ce que nous pouvons faire de mieux est justement d'essayer d'améliorer le monde existant plutôt que de se focus, d'être focus sur un monde lointain ou une destination lointaine. Alors, Day One, finalement, est aussi un système de navigation. Aujourd'hui, on partage ensemble la première étape. Ne nous soucions pas, ou du moins moins, sur la destination finale, puisque finalement, nous sommes de simples passagers dans ce monde. Alors, voyageons sereinement et avec le sourire. Marcos a travaillé sur le logo de Globe pour symboliser cet événement et c'est un honneur et avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup pour ton art. Denis, Jean-Marc, merci beaucoup pour ce mouvement. Et j'en permets mot, j'ai beaucoup d'émotion. Si je peux me permettre, vous êtes un exemple de technologie for good parce que c'est grâce à vous, d'ailleurs, que cette œuvre d'art a pu être financée aussi. Et je pense que ça a le mérite d'être dit parce que toute œuvre, tout projet a besoin d'être soutenu, sinon il ne peut pas exister. Donc, merci à vous. Alors, mon seul souhait,
c'est peut-être que cette œuvre, comme tu l'as dit, qui va voyager à travers le monde, serve un petit peu de point d'accroche ou de rappel pour tenir les engagements que les powerful ou les large companies vont tenir pendant le Day One. Fantastique. Merci. On va la voir, ce trophée. Alors, on va la voir, cette œuvre. Qui nous l'amène, ce beau trophée? Il va arriver à pied, voilà, gentiment. Et vous allez le voir à rien. Et on va l'attribuer à trois personnes, mais avec deux trophées. Donc, on va faire un partage un petit peu original. Vous allez le voir arriver sous peu. Hein. Sinon, j'ai toutes les blagues de Toto qui sont disponibles. Je ne m'en souviens plus. Ma fille les connaît très bien. Voilà. Denis. Merci beaucoup. Denis. On va en prendre deux. Voilà. Alors, en fait, Marcos, j'aimerais effectivement que tu puisses remettre le premier à quelqu'un qui ne s'attend pas à le recevoir, parce que je pense qu'il ne le savait vraiment pas. Mais en tout cas, on va le savoir très vite. Mais il l'a déjà. Et je voulais le remettre effectivement pour remercier Jean-Marc de son soutien, mais il l'a déjà piqué, c'est juste insupportable. Bon, le remettre à... Voilà, donc on va te remettre, et c'est Marcos qui va te le remettre. Quelle surprise. Quelle surprise à Jean-Marc Payol, qui franchement ne le savait pas, enfin j'espère que tu ne le savais pas, parce qu'il n'y a que moi qui le savais. Merci beaucoup. Parce que tu fais partie de ceux avec qui on a commencé ce voyage ensemble, ça me faisait vraiment plaisir de te le remettre, et tu auras la douloureuse tâche l'année prochaine de le remettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et le deuxième, et là aussi on retrouve, Monseigneur, un lien avec vous et avec la principauté, le deuxième va être remis à deux ONG qui sont là ce soir, dont une qui a un lien assez fort avec les fondations de la principauté. Et donc là, ils ne savent pas non plus, je ne sais même pas où ils sont, mais en tout cas, on va les appeler. Sous vos applaudissements, c'est SOSAL, bien évidemment, et Mille et Une Fontaine. Alors la grande question, c'est de savoir d'où ils vont venir, où ils sont, parce que comme c'était une vraie surprise, on ne pouvait pas les mettre derrière et leur dire « vous avez gagné un trophée ». On a sur place, on stage, un représentant de Mille et Une Fontaine. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième bon hasard. Ouais. C'est qu'au-delà de la casquette d'Yves en tant qu'Accenture, il est aussi impliqué dans Mille et Une Fontaine. Un petit mot pour Monseigneur, rapidement, sur Mille et Une Fontaine. Ah oui, avec plaisir. Oui, j'ai l'honneur d'être vice-président de Mille et Une Fontaine. Mille et Une Fontaine, c'est comment on peut résoudre un problème du monde entier qui est l'eau potable. Aujourd'hui, la moitié de la population dans le monde n'a pas d'eau de boisson. 3,6 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'eau potable non disponible, principalement des enfants. Donc le modèle qu'on a créé, c'est un modèle de social business où en fait on investit pour créer un site de production dans un village. On a fait le Cambodge, Madagascar et on démarre d'autres pays. On puise l'eau sale, qui est d'ailleurs l'endroit où c'est même les toilettes hein, dans les villages, les rivières. On filtre l'eau, on la met en bonbonne de 25 litres et après les personnes la vendent dans leur village entre 1 et 2 centimes d'euros le litre. Et avec cet argent, ils se payent, ils payent leurs équipes et ils payent la maintenance de leur site. Donc la beauté du modèle, c'est que c'est sustainable, comme on dit. Si on arrête de financer, la seule chose qui se passe, c'est que la croissance s'arrête, mais le business de cet entrepreneur va continuer à vie parce qu'il s'autofinance lui-même. Et aujourd'hui, c'est 500 000 clients qui utilisent ce système-là. On peut le déployer dans tous les pays où il y a de l'eau qui n'est pas propre. Et pour contribuer, alors aujourd'hui, c'est 500 000 personnes qui profitent de ce système-là. On a prévu de passer à 10 millions. Et on pense qu'on peut couvrir largement plus. Il y a quasiment la moitié de la population dans le monde qui a le problème. Donc le modèle a été prouvé. On a mis 15 ans à prouver ce modèle. C'était un vrai travail. Mais 15 ans pour qu'aujourd'hui, on sache dire le modèle fonctionne. Il s'autofinance quand on a fait le financement initial. Et donc, c'est pour la vie. Fantastique. Bravo. Voilà. Très, très belle initiative. Et Rémi ? Alors, bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, il y en a quelques-uns dans la salle. Il y a un truc sur lequel j'ai un début de réputation, c'est que dans tout ce qu'on a fait, on a toujours été à la parité exacte entre les hommes et les femmes. Je pense que là, nous avons un petit problème d'équilibre, mais... Je voulais m'en excuser. On s'était engagé sur Day One à avoir vraiment une parité à 50-50. Je crois qu'on a tenu 38% pour être très exact et on fera beaucoup mieux l'année prochaine. Et là, on est quand même très masculin ce soir, mais SOSL, c'est 500 salariés et tellement de femmes qui sont principalement financées. Alors, Monseigneur connaît, mais un petit mot sur SOSL, Rémi, en quelques mots. Oui, 500 salariés, dont une qui est avec moi, que j'aimerais bien qu'il monte sur scène pour nous rejoindre recevoir le prix. C'est Ange. Voilà, on va... Refuser un ange sur scène serait quand même assez indécent. Donc vous pouvez applaudir l'ange. Voilà. Alors, SOSL.
Alors SOSL, c'est une ONG qui travaille depuis 40 ans dans une région qui est quand même extrêmement fragile, au sud du Sahara, donc actuellement dans 11 pays, de Dakar à Djibouti. Juste pour vous donner une image, le Sahel, c'est la taille des États-Unis, c'est à peu près la même population actuellement. 70% de la population vit de l'agriculture et les femmes fournissent à peu près 90% de la production agricole qui est nécessaire à l'alimentation de toutes les familles sahéliennes. Donc SOS Sahel travaille particulièrement pour soutenir les organisations de producteurs, mais surtout de productrices, pour pouvoir valoriser leurs produits, leur potentiel de production sur le terrain, et aussi développer des systèmes qui permettent d'être durables, notamment à travers le numérique, à travers différentes solutions de formation qui nous permettent aujourd'hui de mettre à l'échelle toutes les expériences que l'on a conduites depuis 40 ans. Je citerai juste, je profiterai de cette présence ici à Monaco pour citer le soutien en particulier donc de la coopération monégasque au Burkina Faso et au Mali actuellement dans des régions qui sont particulièrement fragiles, mais aussi qui ont un potentiel en matière d'irrigation, en matière de restauration des milieux, et on pourra aussi en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Magnifique, merci, on peut applaudir merci. À SOSAL. Et Ange, et je propose à Malek cette fois, puisque Marco ça fait la première, de la remettre à Ange. Voilà. Et donc du coup, le rôle, votre rôle sera dans 6 mois de la remettre à Yves, et on verra dans 6 mois où part cette œuvre magnifique. Donc merci à tous, vous êtes une part de ce qu'on construit, et quand on se balade un peu, comme j'ai eu le plaisir de le faire avec vous dans le désert depuis ces 2 dernières années, on sait à quel point le travail que vous faites est juste exceptionnel tous les deux, et la prochaine fois, on prochain voyage sera en Asie pour aller avec toi voir ce qui se passe là-bas, qui est fantastique. Bienvenue. Parce qu'on est sur des modèles soutenables et qui s'auto-alimentent d'eux-mêmes, et c'est ça le vrai social business. Ouais. Il doit pouvoir à un moment donné vivre sa vie tout seul. Léla, voilà. En parlant de social business, je vous remercie Rémi de l'avoir souligné, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si Monaco est petit par la taille, il est grand par le cœur, grand par les actions, et effectivement, comme vous le dites, très engagé à l'international, notamment à travers les actions de la coopération internationale de Monaco, qu'on tient à souligner. Ils sont vraiment très présents, et ça, c'est vrai, on ne le sait pas assez. Donc, merci de l'avoir dit. Merci à vous. Il en reste un, c'est pour demain. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.